Un moelleux 96, première tri de chez UA. On se le fait, tranquille? Tu sais, l'idée, ce serait bien, c'est de repartir d'un lieu comme centrale, comme Tours. Oui. Ça symbolise tout avec les châteaux de la Loire, avec toute l'histoire de France. Et puis en même temps, parce que Cooker connaît bien. Et puis avant, t'avoues vraiment, Louis, de part et d'autre. Faut aller sur Bonzo, les coteaux du Layon, on peut aller à l'extrême nord, tu vois. Bon, mais c'est pas très loin finalement. Hein. Mais presque, il faudrait aller sur Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. T'as une quinzaine d'appellations importantes et on décide de travailler sur une ou deux. Ce qui fait que Cooker, il va là-bas, bon, il mène son enquête, mais c'est clair qu'il va rayonner. Je crois qu'on est bon là. Ouais. Tout ça, moi, ça me plaît bien d'y aller en tout cas. On peut pas traîner, il faut prendre contact avec les gens, il faut bien s'organiser. Nous avons quitté Bordeaux, sec et humide, toujours entre deux averses, et nous avons pris la route. Jean-Pierre et moi, nous sommes coutumiers de ces escapades, prélude à un nouveau bouquin. Autant vous l'avouer tout de suite, notre métier c'est d'écrire. Sous notre double signature, Jean-Pierre Allot et Noël Balin, nous avons déjà commis, oui c'est bien ça, vraiment commis, une quinzaine de romans policiers viticoles. Nos héros récurrents, comme disent les gens très très sérieux, sont Benjamin Cooker, expert œnologue, et son assistant, le jeune Virgile l'Ancien. Un peu comme nos doubles, finalement. Et de Bourgogne en Bordelais, en passant par l'Alsace ou le Languedoc, il traque le crime et le mauvais vin. Cette fois, c'est en Val-de-Loire que nous emmenons nos personnages. Comme pour chaque nouveau polar, nous allons nous imprégner des lieux, rencontrer les viticulteurs, les faire parler des histoires de leur terroir, goûter évidemment leur production, pourquoi se priver, et construire au fil des rencontres une intrigue dont le héros principal sera, comme toujours, le vin.